Eh bien, le bonjour, bonsoir les amis, et bienvenue sur Père la Galère Gaming. On se retrouve ce soir sur du Hyrule Warrior, l'ère du fléau, bien sûr. On va se mettre en plein écran. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment dans la journée et que n'importe quoi. C'est comme si on était à la fin du live, n'importe quoi. Il est fatigué, papa, tu sais, depuis 6h du matin. Oh, ça tape, ça tape, ça attaque bien, tu sais, ça tape bien, bien fort. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme. Installez-vous confortablement. Je s'occupe de tout, vous s'occupez de rien. Salut, mon Melio. Allez, on avait fait pas mal de trucs, enfin pas mal de trucs, quand même il en reste. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui clignote, on a les scarabées. D'accord. Insupportable insecte, un géant de relais qui déteste les insectes, vous a demandé d'en attraper quelques-uns à l'apparence intéressante et de les offrir à son enfant pour son anniversaire. Vous allez, où allez-vous trouver ça? Eh bien écoute, on les a trouvés en tout cas, donc du coup on va les prendre tranquillement. Donc 5 scarabées lames. 10 enduros, donc écoutez, on est pas mal, on a fait la récolte. Comment il va l'aventurier? L'aventurier va très très bien, mais t'as vu, il a fait une intro fin, ça s'appelle. Ça s'appelle une intro fin. L'enfant était si heureux de recevoir cet insecte qu'il s'est rué vers le gérant pour le lui montrer. Le pauvre homme va avoir besoin d'un moment pour s'en remettre. Récompense, visite de marchand ambulant en relais. Ok, parfait. Vous avez désormais accès au relais du sud d'Akala. Parfait. Alors, aucun marchand actuellement, mais c'est pas grave. C'est un marchand qui marche, donc du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on est bon. On est complet. Fais voir, on va rentrer un petit peu là-dedans. Ça, c'est terminé. On a terminé à peu près tous les trucs. Il nous reste à aller chez Urbosa. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Là, il nous manque un melon, donc je pense que le melon, on va le trouver du côté des Gerudo, et de la cité Gerudo et de Urbosa. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il nous manque un poulet. Ah ouais, ah ouais, écoute, c'est pas grave, on va certainement en trouver un. Il te manque d'Arouk, d'accord, il te manque d'Arouk. Alors tu as raison, le gameplay de Mipha est vraiment pas mal, mais ouais, j'aime beaucoup Mipha. Au niveau du gameplay, je crois que mes préférés pour l'instant, c'est Mipha, Link, j'aime beaucoup, j'aime bien le let's play Link. Alors là, il nous manque une fleur de sérénité. Donc là, on est pas mal. Merci mon Lio pour avoir utilisé les points de la chaîne. Au défi des galériens. Ok, on est bon. Donc là, niveau 5 conseillers, on est un peu plus haut en level. Et on est avec Zelda. Allez, bah écoutez, on va prendre un plat peut-être. Qu'est-ce qu'on a à cuisiner? Du steak, 5 de dégâts infligés en plus 5%, pardon, en plus. Capacité d'esquive plus importante. Capacité d'esquive, là aussi, pareil, plus 5%. Dégâts de feu, moins 50%. Alors ça nous arrange pas. Gain d'expérience, plus 7%, ça pourrait être pas mal quand même sur la run. Mais... Dégâts causés par les ennemis, moins 5%, ok. Vitesse de déplacement, plus 10. Et vitesse de déplacement, plus 15. Je sais pas trop, j'aime bien procurer un peu plus de dégâts, mais j'avoue que la vitesse de déplacement, quand tu peux te déplacer un tout petit poil plus vite, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on va partir là-dessus, on va cuisiner ça, mais... Non. Pour l'instant, on ne peut utiliser qu'un seul truc. J'ai hâte de rentrer, mais tu m'étonnes, mon Lio, tu m'étonnes. Allez, on va partir au combat. Ah, j'adore. J'adore. Ah, merci pour les bibits, Lio. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Gerudo vivent dans une cité des contrées Gerudo. C'est un peuple du désert. Le son, c'est bon pour vous? Uniquement composé de femmes. Urbosa, la chef des Gerudo. Je l'ai augmenté un petit peu, peut-être. De contrôler la foudre et d'une exceptionnelle aptitude au combat, a été choisie pour piloter la créature divine Vana Boris. Elle était également une amie très proche de la défunte reine d'Hyrule. Il est moins bien le gameplay de Rivalilio. En tant qu'émissaire du roi d'Hyrule,
à la cité Girudo. Mais en chemin, les événements prennent une tournure. Alors tu cuisines pas vraiment, Lyon. Tu cuisines pas vraiment, mais en tout cas, tu gagnes des compétences de cuisine, de nouveaux plats, par-ci, par-là. Mais c'est pas vraiment... merci mon Lio, merci beaucoup. Ça, c'est, merci beaucoup. Merci pour les bibits, Lio. Mais c'est pas vraiment de la cuisine, en fait. Allez. J'aime bien Impa aussi au niveau du gameplay. Clairement, Impa est pas mal aussi. Niveau gameplay, ça tient la route. Mais non, mais qu'est-ce qui leur prend ? Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons aller le demander à Urbosa en personne. D'accord, écoute. On va aller voir Urbosa, où est-ce qu'elle est. Sérieux ? Sérieusement ? Ah. Alors, on va faire attention. Viens ici, chouchounette à la crème. Voilà, hop. Allez, on va attaquer avec ça. Waouh. Hey. Sérieux ? Elle est goldée, dis donc. Alors, dirigez-vous vers l'objectif, ok. Elle est tellement dure, la capitaine Gerudo. Oh. Allez hop. Ça dégage. Un petit coup fatal, vite fait. Il faut reprendre le coup un petit peu quand même. On va reprendre un petit peu le coup. Alors du coup. On a des choses par là. Elle est tout droit. Alors j'avais pas vu, mais derrière elles sont restées un tout petit peu en arrière là. Allez hop. Voilà pour toi. On va retourner avec les filles là-bas. Ou alors on va squeezer tout simplement peut-être. Allez, on va squeezer. Hop, on va faire comme ça, hop. Voilà. Tout simplement. Par contre, il a tendance à se carapater. Hop. Alors, on va certainement recevoir d'autres aptitudes un tout petit peu plus tard, en tout cas, j'espère. Zelda est pas mal aussi, hein, au niveau du gameplay, je vous avoue que c'est sympa, c'est propre. Hein. Hop, allez, fais voir, on va changer un petit peu. Voilà. Ah, on n'a pas réussi, si, c'est bon, on a réussi. Voilà pour toi. On va, après, demander à Zelda... d'aller par là-bas, regarde, on va lui donner une instruction, tu veux venir par là. Et nous, on va faire la même chose. Yep. C'est ça. Et maintenant, on va passer sur Link. Oula, le capitaine Gerudo, mais elles sont tellement dures, en vrai. Eh, merci pour le host. Allez, ça dégage. Merci beaucoup pour le host. Elle est tellement... Et ils sont costauds, les capitaines Gerudo, je vais te dire. Ça pardonne pas, Urbosa, à mon avis, ça va être que du bonheur. Urbosa, ça va être que du bonheur à mon avis. Allez, on va nettoyer ce coin là. Allez, toi tu dégages. Du coup, il m'avait semblé qu'on était au bon endroit, mais peut-être pas.
On va nettoyer un petit peu tout ça quand même. Alors ici c'est bon, mais ça en vient toujours. Par contre elles viennent toujours. On va essayer de nettoyer un tout petit peu plus aux alentours peut-être. Voilà, et après on va aller de l'autre côté. Juste histoire de dire, et normalement là on est bon. Allez, on va passer dans ce... De ce côté là. Et les autres sont ici. Allez, salut Zelda. Oh punaise, mais vous êtes nombreuses les filles. Hein. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Allez, viens le capitaine. Non, gagné. On l'a fait avant, on l'a fait avant. Ok, ça c'est nettoyé. On a pris... Ok, la porte est ouverte. Par contre, d'accord, Zelda, elle rentre comme ça, sans pitié. Elle fait comme si elle était chez elle, c'est... Voilà. Bon, on va nettoyer ça, écoute. Je pense que... Mais ça fait tellement plaisir de retourner là, en vrai. Et de ce que j'ai vu, c'est vraiment complet quoi, très très complet. Il va falloir s'accrocher finalement parce que... Alors le capitaine de la garde serait-il par ici s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un? Oula, elle est là je crois. Hop, voilà. Hop, on va lui envoyer ça. Voilà pour toi. C'est bon les gars? C'est bon, ça a l'air d'être nettoyé. Hop, on va prendre ça. Ok, on a pris pièce d'extension antique. D'accord, parfait. Alors, fais voir. Là, on a récupéré ce qu'il y avait. Là, la pomme, on n'en a pas besoin pour l'instant. Est-ce qu'on irait à l'extérieur? Parce que je vois qu'il y a quand même des choses à l'extérieur. Ou on continue... rendez-vous auprès du Urbosaon. On va peut-être continuer par ici. Plutôt que... Si on passait de ce côté là. Ok, c'est quoi? C'est Impa qui est parti. Ouais, mais elle est partie vachement vite, Impa. Hein. T'as vu? Bah, ça fait tellement plaisir de retourner là-dedans. Salut mon. Et mon Dieu la frite! Salut, salut! Bienvenue mon chouchou. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Oh! Voilà. Voilà, voilà. Du coup, alors est-ce qu'on peut passer par là? Peut-être pas. Allez, on va suivre Impa là-bas. Impa là-bas. Impa là-bas. Je regarde si on n'a pas des Korogu ou des choses qui traînent quand même. Pas l'impression. Est-ce qu'on peut casser ça? Non, pas du tout. Tu te calmes. Tu te calmes, Loïc, c'est pas du tout ça. Ça, oui, par contre. Bravo. Ah, un mur invisible? Un mur invisible. Bienvenue. Cette fin de journée s'annonce de toute beauté, on s'est mis en place, tous ensemble, on est bien. Voilà, la caisse, on peut pas l'exploser? Si, bien sûr. On s'est mis en place tranquillement, et je trouve vachement bien de se replonger dans ce jeu-là. Il m'a vraiment, vraiment, très fortement impressionné. J'aime beaucoup ce qu'on a à y faire, j'aime beaucoup... Il m'a l'air assez complet, et la façon dont il est fait... J'ai joué au précédent Hyrule Warrior, il était bien, mais celui-ci, il est quand même vraiment pas mal, hein, du tout. Hein. Alors, Urbosa la grande. Pourquoi fais-tu une chose pareille? C'est ici que votre destin s'achève. Mais qu'est-ce qu'elle lui arrive? Oh. Quel parchemin, mon chouchou? Oui. Je suis rentré aussi vite que j'ai pu. Mais je n'aurais jamais cru me retrouver confronté à ça. D'accord. Urbosa? Au moins vous n'avez rien, n'est-ce pas, madame? Je n'ai rien, non. Mais du coup, c'était qui l'autre? Deyegas. Mon
Un Yegas, eh ouais, mais oui, mais bien sûr. Bon sang ! Eh mais oui ! Il a fallu que tu interviennes ! C'est le chef des Yegas ? Mais c'était obligé. Grand Koga, chef suprême des Yegas. Lui on l'avait mis minable le jour. Enfin opérationnel, d'accord, c'est cool. Eh ben écoute, pas de problème. Les petits jeunes, je compte sur vous. Tu vas voir un peu. Ah oui, non, mais il s'en va, lui. Oh, ben quel courage. Avec Urbosa, ça risque de mal se passer pour eux, je pense. D'accord, c'est ça. Alors, maintenir pour remplir la jauge foudre. D'accord. Et donc ? Et après, une attaque forte appuyée plusieurs fois sur X pour vider la jauge. D'accord, ok. Allez, fais voir. On va aller voir de l'autre côté. Ah oui ! Ah oui, c'est pas mal. Bon, il y a Jean-Maurice. Oh ! Je l'avais pas vu, lui. Hop 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 hop. Ouais. Wow. Mince, le vent qui déplace lui toujours. Du coup, hop, comme ça, arrête de bouger. Oh mais c'est trop bien. Alors comment? Alors c'est compliqué par contre, tu vois, elle saute de partout, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on a eu ça? Oui, on a eu. Voilà, merci. Alors du coup, fais voir, c'est par où? C'est juste par là, on fait le tour et on va de l'autre côté, je pense que ce sera bon. Super Saiyan, ouais c'est ça, Super Saiyajin. Hop là, qu'est-ce qui t'arrive? T'es sérieux? T'as essayé de me la faire à l'envers, mon copain, mon cousin, enfin. Aïe, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. C'est un pur bonheur, ce niveau de castagne, c'est exactement ça. Ouais. Du coup, je vois pas où je suis, mais c'est pas grave. C'est par là. Allez, on va finir ça là, et puis après on va passer de l'autre côté. Voilà pour vous les gars. On va essayer de... d'agrandir un petit peu la carte, non? Voilà, ça me paraît bien. On va essayer de repasser par là, du coup. On va voir Impa. Ouais, c'est ici que ça se passe, allez, on y va. Et hop. Voilà, mais c'est... Voilà. Hop, oh non. Sérieux? Ah zut. Dommage. Oh là! Et non, il n'a pas eu. Et c'est parti. Non, c'est... C'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. C'est... Le gang de Yegas, là, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont pas mauvais du tout. Nouvel objectif. Rendez-vous au point de destination. Allez, on va sortir de là. Alors. Normalement, je pense qu'on peut sortir par là. Je vais voir. Ouais. Du coup. Allez, fais voir. On va changer. On va prendre Urbosa quand même. Alors, attends, fais voir. Hop, on va dire à Link. Zelda, elle va aller ici. Bim.
Link, il va faire la même chose. On a à peu près nettoyé ça. Ah, autant pour moi. Alors, hop, il faut ressortir. Ça va pas du tout. Voilà pour toi. Et Link, il va aller ici. Voilà, bon, ça l'envoie un tout petit peu à côté, mais c'est pas grave. Et du coup, comment fait-on? D'accord, on recharge comme ça. Ok, on est plein badin. Bon, eux, ce sont des types électriques, donc à mon avis, ça devrait pas fonctionner nickel, mais... D'accord. Ça fait comme ça. Par contre, ça, on peut faire... D'accord, ça fait juste ça, ok. Au moins, ça nous permet de regarder ce qu'on peut faire, les gars. Oui, mon chéri. Alors... pourquoi j'ai si peu de mystère et de magie, les gars? Oh, oh, les dégâts que ça fait! Allez, venez ici. Oh, les dégâts qu'elle fait! Elle est impressionnante! Ah, par contre, on n'a pas beaucoup de... Mais c'est pas grave. On va se soigner déjà. Hop, comme ça. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça déglingue ce truc, c'est terrible. Ça déglingue très très fort. Allez hop. Allez. Tiens, tu vas prendre ça toi. Alors, faut arriver à comprendre son truc. Non, c'est pas ça. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Autant pour moi, les gars. Ouais. Mais ouais, ils sont des milliards. C'est vrai. Ouais, j'ai vu, merci mon million. Tu vois, j'avais pas fait attention. C'est tellement dur de suivre le chat en même temps que vous, mais... Attends, j'essaie de... Oh, mais c'est des gangrènes, hein, ces mecs, hein. On va y arriver. Il y a d'autres choses là-bas, là. Moi j'essaie, tu sais, de tout. J'aime bien tout nettoyer en fait. Toujours, mais. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais enfin là c'est le premier jet, donc. Tu vois, mais au fur et à mesure, il y en a de plus en plus en fait. Voilà. Allez, on va aller quand même vers là-bas. Puisqu'on a besoin d'y aller. Mais sérieux, c'est tellement grisant en fait. Allez, fais voir. On va aller voir le chef Yagas qu'il y a par là-bas, là, je suppose. Où est-ce que c'est? C'est par là, non? Hop là! Allez, on y a mis la max là, si jamais ça passe pas, ce serait bien dommage. 600 KO. Oh là 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 là, mais il y en a partout par contre. Ils sont vraiment partout là pour le coup. Alors, l'autre il est ouf, là-bas. Je sais pas, il me plaisait. il fait voler tout le monde, tu sais. Avec ça. Bon,
Alors, ils sont ouf. Il doit pas être très très loin, hein, je pense. Hein. Ouais. Ah, mais il est reparti là-bas. D'accord. Ok, bah écoute, on arrive. Hein. Ah, ça fait tellement plaisir de retourner là, mais c'est vraiment, vraiment tellement un plaisir de retourner en Hyrule. Vous pouvez même pas savoir, ça m'avait tellement manqué en fait. Allez, on va aller là-bas, il est ouf, le chef Yagas. Parce que Nikos Aliagas, il est ouf, il est juste là. Je piche pas, il est en hauteur, comment ça se passe? Avec les bombes à distance. Éliminer les Yagas avec les bombes à distance, d'accord. Hey, salut mon Palman, comment tu vas? T'es en forme? Alors, fais voir. Ah, ça a basculé sur autre chose là. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Bienvenue mon chouchou, bienvenue à toi. Installe-toi confortable. Oh là! Ah ouais, mais j'adore ces bestioles. C'est trop bon. Alors du coup. Alors le gagnant fuit devant la menace. Par contre, comment on va se l'attaquer? Avec des bombes peut-être? Non. Alors l'ennemi est désorienté, à notre tour de les encercler. Nouvel objectif, d'accord, ok. Ah. Alors, fais voir, on va passer comme ça, on va donner des ordres. On va dire à Urbosa d'aller là. Ok. Link, Zelda, elle va aller là. Si c'est possible. Et Link va aller de l'autre côté. Et normalement, sur un malentendu, on est bon. Allez, chacun son poste. Nous, on va passer, on va garder Urbosa. Putain, je dis pas de bêtises. Urbosa va là, là, elle va là, mais du coup on prend qui nous? On prend Urbosa. On va passer de l'autre côté, on va aller par là-bas. Des nouvelles chaussures de sécurité, elles sont trop classe, j'adore. Ils en font des très très belles de style un petit peu basket en fait, et c'est vraiment pas mal. Zelda elle part là-bas. Ah c'est Zelda qu'on envoie là-bas, mais pourquoi tout le monde passe par là? Ah tout le monde passe par là, ok. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on va nettoyer tout ça là, les amis. On va regarder la progression de nos personnages, nos autres personnages. Hop, là, il y a de la... Est-ce que je peux... Oui, il y a de la bombe. Par contre, ça va pas du tout. Mais c'est bon. Alors, salut. Oh. Alors, il est un peu chiant, mais regarde, on va... Voilà. Déjà. Il va falloir... Punaise, qui nous met... Ah ! On l'a pas pu, on n'a pas pu, lui. T'es sérieux ? On n'a pas réussi à l'enchaîner, tu te rends compte ? C'est passé à côté en fait, malheureusement. Ouf. Ok pour là. On est bon, on va récupérer ça. Il faut faire attention un petit peu à Link. On va changer de personnage bien sûr. Alors pourquoi Link et Zelda sont au même endroit? Ça c'est un bon... Allez, un bon secret. Rivalin, il est un peu fou, il tire partout, mais c'est pas mon main préféré, je préfère 100 fois Mipha, tu vois, pour le coup, tiens, voilà déjà,
Alors activer la tablette, ça, je sais pas du tout. Ah oui, ça fait ça, activer la tablette, ok. C'est parfait, c'est noté. Punaise. Waouh, j'ai pas eu le temps. Mais il est tellement goldé, lui. Il est tellement goldé. Allez, on l'a esquivé. Mifa, Urbosa et Zelda, bon toi, d'accord. Allez hop, on est parti. Voilà. Oh, comment il a fait? Voilà, allez, c'est bon. Normalement, ça doit le faire. Et donc non, c'était Impa qu'on avait avec nous, il faut qu'on regarde où est-ce qu'il est, Link. Il a dû passer, je pense. Mais normalement, là, on est bon, on a dû tout nettoyer, il faut que je regarde, tiens. On va récupérer ça, ça. On va récupérer ça. Et puis après, on va tous se rejoindre au même endroit où est-ce qu'il y a Link. Fais voir, on va regarder Urbosa où est-ce qu'elle est. Elle est ici, on va l'envoyer de l'autre côté avec Link, je pense. Et puis, on verra un petit peu... Non. Alors, est-ce que je peux t'envoyer là-bas? Non. Alors, ils veulent pas. Elle veut pas que je l'envoie là-bas. D'accord. Eh bien, écoute, on la prendra avec nous tout à l'heure. Il y a encore un petit peu de trucs un petit peu de partout. On va continuer avec Zelda. Et puis, on va aller du côté de Link après. On va essayer de le rejoindre. Allez, fais voir. On va tout faire exploser là. Voilà. Ok, est-ce que les rubis ont l'air de venir vers nous assez naturellement. On va passer par là, tranquillement, on va faire le ménage. Ah mais il y a des mokoblins aussi, regarde, il y a de tout. Hein. Allez, fais voir. Ok. Là pour toi. Allez, on va essayer de passer comme ça. Mais il y a tellement de monde en fait, c'est terrible. Hein. Et ça va nous faire level, c'est par un petit peu d'XP là, ça va être très bien. Allez, on va nettoyer un petit peu tout ça là. Yep. On va se mettre là au milieu. Après on va passer sur Link de l'autre côté. Petite photo. Et ça, ça déglingue aussi, c'est trop bien. Allez, on va passer avec Link. Alors du coup, on est où? Ouais, d'accord. On est juste là. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Je pense que oui. Salut les gars. Pour moi le meilleur gameplay pour moi c'est vraiment Link. Salut Bernab, comment tu vas? T'es en forme? Mais ça fait un bail, mais c'est vrai, mais ça fait tellement plaisir de te voir. On est sur du Hyrule. Du Hyrule Warrior. Et je dois te dire que. Bah, ça fait le taf, hein, ça fait le travail, il est vraiment très plaisant. Oula! Ah bah il est là Jean-Maurice. Alors fais voir, il est où? Voilà. Et donc tu vois. Il est vraiment super plaisant, on l'a gelé un peu, c'est pas mal. Alors il est tellement rapide lui qu'il faut faire un petit peu attention. Hop, viens là, et voilà. Mais le gameplay que je maîtrise le mieux, je vous avouerai que c'est vraiment Link hein, que je préfère. Mais alors qu'est-ce qu'elle nous dit? L'ennemi a ouvert la porte à l'attaque les amis. Et bon... C'est vraiment le gameplay qui me plaît le plus. Urbosa a l'air pas mal, mais un peu trop lourde, tu vois. Je t'avoue, les Zelda, c'est plus trop ma tasse de thé. Je me suis arrêté à la Game Boy. Ok, non mais il n'y a pas de souci. Hein. Au contraire, je peux comprendre. Moi, c'est tout le sens contraire, en fait. J'ai pas eu de Game Boy, en fait, pour tout te dire. Moi, j'ai eu des consoles de très très tard, en fait. Et du coup... Du coup ça me plaît.
ça me plaît vraiment beaucoup. Le seul truc, tu vois, qu'il faut que je regarde et qu'il faut que je fasse attention quand on joue à ça, j'ai pas encore pu déterminer et détecter si si jamais il y avait l'urgence comme dans certains Hyrule Warrior, celui sur Wii, il y avait des fois ça popait de partout et tu pouvais échouer une mission. Donc du coup, il faut que je fasse quand même assez attention. Les portes sont ouvertes, elle m'a dit, mais du coup on doit aller où? Ah mais oui, mais on doit aller là-bas. Donc écoute, on va prendre Zelda, qu'on va... Ben, elle y est en vrai. Donc du coup, c'est pas Zelda qu'il va falloir emmener. Elle veut pas, donc il va falloir y aller. On va envoyer Link. Mais pourquoi je peux pas aller... Il faut emmener tout le monde là-bas, t'es sérieux là? Sérieusement? Le plus sérieusement du monde? Ta première console, c'était la Game Boy Color. Et ouais, mais nous, tu vois, moi par exemple, j'ai pas ma première console, c'était c'était une Xbox, la première. S'en est suivi d'autres Xbox, mais une autre Xbox, la 360. Et après, je suis passé, mais très très longtemps après, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans, je suis repassé. Bah écoute, avec une PS5 et puis la Switch. Alors d'abord la PS5 et puis après la Switch, je crois, de mémoire, mais voilà. Et tiens, tu dégages. Mais c'était vraiment la PS4, je veux dire. Oui, pourquoi la PS5? La Philips aussi, mais elle a duré un an. Un petit peu, ouais. Du coup, je vois pas parce que ma carte, elle est cachée, mais on doit être au bon endroit. On est dans la bonne direction, en tout cas. Je regardais si tu pouvais péter ça, juste au cas où, pour savoir. Et on a des trucs. Ce que j'aime bien, là, tu vois, c'est que tu peux... t'as des caisses à péter, mais tu peux aussi trouver des korogus. Alors, j'ai pas encore trouvé l'utilité des korogus, hein, je te l'avoue, mais... Attends, on va nettoyer un petit peu tout ça là. Mais ouais, je t'avoue de pas avoir trouvé l'utilité du korogu, mais... Allez, fais voir, on va aller voir là, parce que là, il y en a pléthore. On va nettoyer un peu, c'est pas obligé de nettoyer tout, hein, mais je suis monsieur propre, moi j'adore ça en fait. La Super Nintendo, ça remonte à un paquet de temps, ouais. Du coup, je suis pas au bon endroit. C'est pas par là, mon loulou. C'est de l'autre côté, dit l'Altra Custa, comme dirait l'autre. Et on va passer par ici. Et sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Je pense que par là, on y arrive. Voilà, on a des soldats qui sont ici. Hop, je vais les aider. On va mettre quelques bombes là. Et on peut passer directement avec... avec Zelda, si le cœur nous en dit. Mais j'aurais bien été avec... Alors, c'est pas par là. Oh là, qu'est-ce que c'est? Salut. J'ai pas vu. Ah, c'est... Je pense pas que ce soit lui, hein, qui nous a attaqué, mais du coup... Hop, on va prendre ça. On va le poncer, ce jeu. Je pense qu'on va le poncer, les loulous. C'est obligé. Qu'est-ce qu'on a? On a d'autres choses ici. Alors, les rubis, on les récolte parce que ça nous permet pas mal de choses, notamment de fusionner des armes pour avoir des armes un peu plus puissantes. Donc ça, je vous montrerai pour ceux qui n'étaient pas là. La dernière fois, je vous montrerai ça comme il faut. Et hop. Oula. Ah oui, c'est le chef Yagas. Salut. Nikos de son prénom. Alors par contre, il faudrait... Voilà. Moi... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et on va continuer à le massacrer. Ouf. Wow. Finesse avec son ventre, il nous a fait trop mal. Allez hop. On est parti. L'objectif du 100%. Alors non, tu sais, moi je suis pas Mister 100%, ça me plaît pas. C'est pas mon truc. Mais bon. Oh, t'as essayé, mais t'as perdu.
Ah ouais, le problème c'est que quand tu envoies un... Son bidou, il fait tellement mal son bidou. Alors ça a pas... Alors c'est rigolo parce que ça a pas dégondé le... C'était pas ce que j'escomptais mais... Par contre, tu vois, c'est un des plus forts qu'on ait eu à affronter pour l'instant, j'ai l'impression, le Yagas Nikos de son prénom. Enfin, il me semble en tout cas. Salut. Un petit coup fatal. Non, pas 100%, mais on va... Alors par contre, tu vois, pour le coup, je suis pas Minister 100%, mais les Zelda, c'est vraiment... c'est vraiment des licences que j'aime beaucoup, moi, par contre, pour le coup. Et donc, j'essayerai bien, ouais. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Une fusion à la Dragon Ball Z ou quoi? C'est où? Ouais, d'accord les gars. Ouais. Okay. Bien joué. Hop. Voilà. On va faire ça. Je vais rechanger avec Link. Voilà. Salut. Mais comment ça va? Salut Massoso. Oh, on s'est eu les deux, on s'est frappé les deux en même temps, Nio. Voilà. Ouais, c'est Hop. Ok, allez c'est parti, on fonce les gars. Merci Massoso, salut mon pantou, bienvenue, bienvenue les chouchous. Waouh. Allez. Ok pour lui, viens ici chouchou. On va l'attendre. Waouh. Allez, c'est bon. Enfin, j'espère. Mais il est allé se bloquer là-bas, mais t'es sérieux? Regardez où est-ce qu'il s'est mis les gars. C'est terrible. Mais ouais, mais. Voilà, allez on est parti les gars. Je pense que là. Je sais pas. Là par contre tu vois. Est-ce qu'on arrive si on fait ça? Ouais, je pense que oui. Allez. Il est bon, il est mûr les loulous. Merci en tout cas Massoso d'être pour le raid. c'est rigolo. Et là l'invasion de Sonia, exactement. Ma belle. Et ouais, du coup, ton dos, c'était pas terrible. Il faut que tu fasses attention à toi quand même. Comment t'as fait pour te faire un lumbago comme ça? Alors moi, je rigole parce que j'appelle ça un plumbago. C'est une plante, un plumbago. Ah mais faut pas faire des folies de ton corps comme ça ma Soso, c'est pas bien hein. J'ai bien failli y rester. Supa, il s'appelle celui-là. Ok, officier Yaga. Eh ben écoute. Ça ne se reproduira pas. N'y pensez même pas. Eh salut mon doc, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue mon doc. Ok, on a eu des rubis pour le chaos. On a un total de 600 rubis, c'est parfait, c'est pas mal, hein. C'est pas l'Amérique, mais c'est pas mal. Par contre, on a pris des levels. On a gagné un petit peu des armes. Alors, remplissage de jauge, ok, plus 3%.
Ils vont améliorer, on s'en moque un peu. Espadon de voyageur, ok. Donc ça on pourra améliorer. Choisissez ce que vous voulez vendre. Waouh, on en a autant que ça? D'accord. Je sais pas trop comment faire. Alors il faut faire attention à celle-là parce que leur prix de vente amélioré, est-ce qu'on a ça? On doit avoir un prix de vente amélioré quelque part. Ouais, on a vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'armes, j'avoue. Dégâts causés aux ennemis, moins 3%. Par les ennemis, pardon, moins 3%. Vitesse d'attaque, ça c'est pas mal, plus 3%. Alors il faut aller dans les menus. Salut mon Didi, comment tu vas? Je t'ai vu quelque part, yo, yo à toi. Ouais, il faut aller dans les menus. Prix de vente amélioré. Tiens, celle-ci, on peut la vendre. Sélectionner. Qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut vendre alors ça, on va la garder là, mais si on sait jamais. Celle-ci, remarque, on peut. Alors. Alors, je sais jamais comment ça marche, ça. Alors, vous me voyez me pencher parce que c'est derrière l'ordinateur, en fait. Et j'arrive pas à voir ce qui a marqué. Il y a marqué sélectionner. Donc là, j'ai sélectionné. Mais après, organiser. D'accord. Du coup, équiper, sélectionner. Ok, mais comment on les revend? Alors, j'ai pas compris. Donc ça, c'est des prix de vente améliorés. Donc je veux bien le lever. Ça. Apéro, déjà. Wow. À vous, il y a marqué un gros apéro sur ton ordinateur. Non, mais pas du tout, c'est pas vrai. Non, j'ai pas de truc comme ça. Non. En fait, non, je fais pas l'apéro. Je suis pas comme ça. Là, par contre, on a du 18 d'XP. On va pas les vendre. Je sais pas du tout comment on fait, par contre. J'ai eu la même difficulté l'autre jour. Et... on y est arrivé après. Voilà. Ah d'accord, il faut enlever. Mais bien sûr. Comme il y en avait 3, il faut que j'en enlève 3. Ok, c'est bon. J'ai compris. Pigé. Ça devrait passer. Et Urbosa, ça devrait passer. Easy cacahuète. Et Mipha, d'accord. Mipha, elle a pris une lance du voyageur. On les a eu nos melons. Génial. Melon glagla, on les a. Donc je vais vous montrer, on va repasser en arrière. On va repasser sur la carte. J'espère en tout cas. Et pour lire de ce blond, parfait. Hey, un Vamevoy, mais oui, on a le droit, mais il n'y a que les adultes qui ont le droit de boire un Vamevoy, les amis. Donc là, je suis content. Allez, on continue. Apérotisation. À la vôtre, mais c'est que de l'eau, c'est dommage. Pardonnez-moi de vous avoir fait déplacer jusqu'ici. En ce moment, la confusion règne dans la cité. Cela ne me dérange pas, Urbosa. Ce n'est pas ta faute. J'imagine que vous connaissez le gang des Higa, n'est-ce pas? Eh oui. C'est une branche dissidente du clan Sheikah qui a pour but de ressusciter le fléau Ganon. Ces bandits ont étendu leur influence jusqu'ici, dans le canyon Gerudo. Nous ne pouvons pas éternellement les laisser faire sans réagir. Je vais piloter Naboris. J'en accepte le commandement. C'est pas de l'eau, c'est de l'eau de vie. Non, c'est trop fort l'eau de vie. J'aime beaucoup l'eau de vie, enfin la grappa. C'est une demande que je ne peux pas refuser. C'est de l'eau de vie, mais c'est italien. Je te remercie. Et vieillie en fût de chêne, elle est très très bonne. Mais c'est pas l'heure. Moi aussi. J'accomplirai mon devoir en tant que princesse d'Hyrule. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir. Alors,
tenu la queue entre les jambes. Si je n'avais pas été interrompu, j'aurais... À vrai dire, je ne me suis jamais attendu à grand-chose de votre part. Mais c'est qui, celui-là ? On le connaît soit pas. Qu'importe. Allez, montrez-moi l'avenir. D'accord. On dirait le même nom que le petit robot que l'autre. C'est le méchant. Oui, c'est ce destin que je veux voir advenir. Je ne permettrai à quiconque de le changer. D'accord. Ok, cool. Allez, le mystère se désépaissit ou s'épaissit comme vous voulez. Mais pas mal. Donc nouveau méchant, nouveau personnage qu'on connaît pas. Allez, on va repasser dans les menus, je pense. Courage, mon Didi, courage. Voilà. Ok. Allez, Urbosa, chef des Gerudo. La chef des Gerudo est aussi une grande guerrière qui maîtrise la foudre, ce qui, c'est le pouvoir qui lui a valu d'être choisie pour piloter la créature divine Vanabori. Elle était également une amie très proche de Feu, la reine d'Hyrule. Ok, normalement, donc, on a débloqué les melons glagla. Waouh. Ah bah, mais non, jetez plus, la cour est pleine. Oui, la carte, elle s'illumine, c'est comme... Waouh. Alors, la galerie a été mise à jour. Les détails avec moins. Niveau conseiller, niveau 16. D'accord, étape d'Hyrule, se mettre en route. Alors, on a pas mal de choses à faire. On va regarder un petit peu de ce côté-là, déjà. Puisqu'il nous le demande. On va rentrer là-dedans. Alors, attends. Est-ce qu'on peut... Voilà, déjà rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, on a rude entraînement dans le désert. Pour s'entraîner, Urbosa a décidé d'aller affronter les lézards flots électriques à l'intérieur de la cité. Ce n'est pas un endroit facile. Offrez-lui de quoi supporter la chaleur brûlante du désert. Donc ça, on va valider. Comme ça, on est bon. Ça va lui donner un petit peu des... Parfaitement équipé pour affronter la fournaise, Urbosa a vaincu un par un les lézards flots électriques nichés dans le sable. Ok, ça c'est bon. Alors, Y, 5 fois Y, attaque plus actar, plus attaque forte, pardon, remplir la jauge de foudre, ok. Et normalement, on a pris un cœur en plus, c'est ça ou pas? Ça doit être ça. Ici, test de conduction de la foudre. Oh là là, à quel point c'est exactement ça, Soso, ouais. Bienvenue à toi. Mais ouais, non, mais les gens, tu sais, tu t'as pas fini d'être déçu, mon Didi, je suis vraiment désolé pour toi. Mais l'égoïsme des gens, c'est quand même quelque chose de pas croyable. Allez, un cœur max pour Urbosa. Là, on a deux. Un entraînement d'Urbosa, donc ça, on va aller le faire. Par contre, ennemis principaux, ok. Et ici, coup de pouce pour la boutique. Un jeune commerçant a repris le magasin de ses parents, mais sa gestion est désastreuse. Il aimerait que vous lui offrez une petite somme pour qu'elle engage de l'aide. Ok, bon, on va faire ça. Parfait. C'était impressionnant. Et voilà, vous avez désormais accès à l'étoile des stars. Ah, ok, on a des rubis, on a pas mal de choses. Donc là, on va par contre repasser là. Ici on peut le faire. Ici on peut le faire. Alors, ça c'était pour Zelda. On va le faire direct. J'ai réussi. Alors, les délices du royaume terminées. Vous avez trouvé des ingrédients de chaque région. Les chefs du centre d'Hyrule ont hâte de préparer des mets exotiques. Le repas promet d'être succulent. Récompense un cœur. Un cœur de plus pour notre cher et tendre Zelda. Allez, ça c'est fait. Alors, on va redescendre par là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Entraînement pour Link. L'entraînement de la lance. Niveau 10, règle particulière. Équipe fixe, lance unique. Temps limité. Ok.
Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là? Exercice de fauchage d'herbe. Ça on va le prendre. Oh, on n'est pas inquiet, mais tu sais, le truc, c'est que c'est tellement tellement idiot, en fait. Les gens, des fois, ils sont... Ok. Attaque standard, plusieurs fois avec Y. Donc ça, c'est pour Link, hein. C'est pour nous, pour l'épée à une main. Donc on a pas mal de combos, là. Exercice de fauchage. Ça, c'est fait. Ok, pour là. Là, qu'est-ce qu'on est? Entraînement à l'espadon. Il y a tellement de choses à faire, mais tellement, on a une grosse bataille ici. Je pense que on va essayer d'aller là déjà. On va regarder, on va passer par la forge. On va fusionner quelques armes parce que là, si jamais on peut. Donc on va fusionner quelques armes pour Urbosa. Celle-ci. On va la fusionner avec celle-là. Comment ça se fait qu'on a si peu d'argent? Ah, on a payé, c'est vrai, on a donné un petit peu d'argent au... aux gens là, c'est pas grave. Allez, on fusionne ça aussi, c'est parfait. Bim. On va aller faire l'entraînement d'Urbosa juste pour s'habituer à travailler avec, et puis après on verra pour les autres. Je sais pas dans quelle mesure on n'entraînerait pas un tout petit peu tout le monde. Waouh, à haut niveau en vrai. Là, on va la monter en XP. Est-ce qu'on peut monter un peu? Oui. Waouh. Yes, ça on va faire. Parce que ça nous rajoute, et si vous regardez bien juste en dessous, ça nous rajoute un slot d'amélioration. Donc on va le faire. Pardon, autant que pour moi, on va faire ça. Et du coup, qu'est-ce que... Alors, dégâts causés par les ennemis, moins 4, moins 4, il faudrait quelque chose. Obtention de morceaux de monstres, non. Donc on va faire comme ça déjà. Et puis on va voir. Efficacité des objets de régénération. Plus 4%. Il faudrait de l'attaque. Vitesse d'attaque. Ah, pas mal. Dégâts infligés. Les attaques enfonçant. Non. Remplissage de jauge de CF. Plus 3%. Je voudrais quelque chose au niveau de l'attaque, en fait. Parce que là, on a que de la défense. Mais... Dégâts infligés. Plus 3%. Tous les 100 KO. Hein. Écoute, on va prendre ça, là. Je pense qu'on va prendre ça. Donc là tu vois déjà on a une arme qui est vraiment vraiment pas mal. On arrive à faire quelque chose d'assez propre. Est-ce qu'on peut maintenant y mettre peut-être un level supérieur? J'ai pas l'impression. Allez, on fusionne encore celle-ci et puis je pense que c'est bon pour là. On a quand même une attaque un tout petit peu plus forte de 20. Level 11, ouais, ça devrait aller, ça devrait être pas mal. On va voir maintenant. Là, on est pas mal, hein, déjà. On est déjà au max pour celui-là, en fait. Là, on est déjà au max pour celui-ci. Alors, on va aller voir Link. Et Link, on va voir au niveau des espadons. On a un espadon comme ça, là. Ok. On peut pas le faire ça. Hein. Moi j'aime bien les épées de soldats, mais... Niveau 2, niveau 9. J'essaie de voir ce que ça peut donner en fait. Je crois qu'il faut... Arme pour arme, hein. Il faut arriver à... à fusionner arme pour arme, je pense. Le mélange est peut-être pas possible. Du coup, laquelle était-ce? Celle-ci. Ça devait être celle-ci. Portée d'attaque plus 7%. On va continuer à prendre celle-là. Et on va peut-être... Donc là, ça l'a fait passer niveau 3. J'ai l'impression, hein. Je vous dis pas de bêtises, là niveau 3, mais 15, niveau 14. On peut mélanger, je vois qu'on peut mélanger niveau 2, niveau 3. Regarde, on va mélanger ça, on va fusionner. On va pas rester 200 ans dans les menus, mais c'est quand même important de le faire pour l'XP général.
Épée de voyageur, non. Espadon. On a normalement un espadon de niveau 3 où j'ai rêvé. Non. Épée de voyageur de niveau 4. Elle est passée où cette épée là? Il est passé où cet espadon là? On n'avait pas fait un espadon de niveau 4, c'est moi qui ai rêvé ou quoi? Alors? C'est bizarre cette histoire. C'est vraiment bizarre, il m'avait semblé pourtant mais... Ah oui voilà, niveau 4. Ok c'est ça. Bim. Et est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Dégâts infligés plus fort. Oh, portée plus 8, vitesse d'attaque plus 4. Ah ben on va faire ça. Hein. Clairement, et on sera niveau 5. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal pour l'espadon. Allez, on va sortir des menus et puis on va aller se battre quand même comme Krusty Bat, mais pas mal, regarde niveau 5 l'espadon là. Qu'on peut. Alors. Tu te rends compte là, ça la ferait passer. On peut pas le faire, hein. Mais ça te fait une capacité d'esquive un peu plus importante. Alors. Là ça te fait passer au... Là on est au niveau 6 avec celui-ci. Parce que là on est quoi? Ouais, niveau 5, c'est ça. Hein. Donc on passe comme ça. Niveau 6 plus 5. Et tu vois, tu peux mélanger des épées de soldats. En fait, tu peux tout mélanger en vrai. Tu vois, niveau 6, niveau d'XP. Ouais, on peut tout mélanger, c'est parfait. Là, niveau 5, mais ça nous remplit la jauge. Et là, les autres, elles se remplissent pas parce qu'on prend du niveau. Ok, d'accord, c'est noté. Allez, on revient en arrière. On va pas rester là-dessus 2 ans. Mais c'est bon à savoir. Je vais regarder une pas un petit peu comment elle est. Mais normalement, je crois qu'on l'avait fait. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Alors. Ici. Entraînement d'espadon. Eh bien, écoute, on va aller faire de l'entraînement d'espadon. Vous devez changer d'arme pour pouvoir partir au combat. Mais oui, mais exactement. Du coup, comme ça, et on prend l'espadon, voilà, et ça fait sens maintenant, bim, et on va aller voir. Ah non, c'est une... Mais t'es sérieux, mais... Pourquoi ça nous a fait ça? Je pige pas. On a fait une bêtise là. Alors laquelle est-elle? Je ne sais pas. Fais voir, on va remonter là. Mais il y a un sous-sail. On va regarder au niveau des fusions parce que c'est pas possible. Fusion. Épée de voyageur. Alors non, je vais pas lui donner ça. On va fusionner ça. Donc on va faire un espadon de voyageur de niveau 3. On est d'accord. L'espadon de voyageur de niveau 3, il est ici. Que l'on va... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dessus? On peut pas rajouter quelque chose. Ça donne de l'XP, mais on peut pas rajouter quelque chose. Y a-t-il un autre espadon? On n'a pas d'autre espadon de voyageur là, mais tu vois, ça, bon, c'est... On monte niveau 4, hein, c'est pas un problème. On va le faire. Mais c'est pas l'Amérique, il nous manque un petit peu des trucs. Et donc, on est niveau 4 là maintenant. Avec l'espadon. Alors celle-là je peux pas la prendre. Celle-là je peux la prendre mais il est hors de question que je prenne celle-ci. Et devant t'améliorer, on s'en moque un peu. Par contre on a débloqué un truc, je comprends pas.
Ah, ça, on va prendre dégâts des attaques fortes, ouais, bien sûr. Ok. Allez. Je sais pas dans quel cas ça se débloque, ces trucs-là. Il faudra qu'on étudie ça un tout petit peu plus profondément, parce que du coup, tu vois, je suis un peu... Je sais pas trop, en fait. Hop. Allez, on fusionne ça, et on est bon. Allez, on va se faire cet entraînement de cette bataille d'espadon là. Et puis après, on partira ailleurs. Après, on partira avec Urbosa aussi. Voilà. Mais il est tellement complet le jeu, c'est terrible. On va passer, mais avec plaisir. Hein, on va passer, à mon avis, beaucoup de temps. On a ça. Là, on a la grande bataille, c'est ça. Étape d'Hyrule. Se mettre en route. Niveau conseiller, niveau 16. Et du coup, on... Ah oui. Ah oui, oui, mais clairement, non. Urbosa, elle n'est pas à niveau. Link est à niveau, mais c'est le seul. Donc on verra. Allez, on va aller faire ça. On va changer d'arme. Bim. Ok, celle-là, niveau 11. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est ici. Espadon du voyageur. Exactement. Allez, c'est bon. On va lui donner à manger, mais par contre, on va lui donner peut-être, tiens, déplacement 15%. On va regarder ça. On va voir. Bon appétit. Bon appétit, Massoso. À tout de suite. Je regarde un petit peu l'heure qu'il est aussi. J'ai une pizza ce soir. J'ai fait une pizza. J'ai fait revenir des légumes, aubergines et poivrons du jardin. Et du coup, il restait des merguez. Donc j'ai eu mal lancé des merguez dessus. Enfin, la totale, quoi. Et je pense que ça va être pas mal. Il y aura une partie avec des lardons aussi, hein, les amis. Vous en faites pas. Hein. Allez, la bataille commence. Alors, entraînement. Yes. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je confirme. Non, 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 mais on confirme, on confirme. Appuyez sur ZR au moment de lancer une attaque forte. Ah oui. Ah ouais, non, mais j'adore. Ok. Oh, ça les enchaîne. Mais comme ça les enchaîne, les gars. Allez, bim. Comme ça. On peut squeezer, ouais. Alors, attends, fais voir. Hop, on va le marquer parce que sinon on va pas s'en sortir. Pour vous. Ouais, c'est super efficace ce truc là. Vraiment. Alors, éliminer beaucoup d'adversaires. Allez, on va aller par là-bas. C'est pas mal, j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Hop. On va voir lui là. Oh. Ouais. Ça c'est plus compliqué. Ok, il faut là. Donc il faut arriver. Fais voir, je vais le bloquer parce que sinon j'y arrive pas. Il faut arriver clairement.
Alors j'ai regardé un gars, parce que je m'intéresse beaucoup aux maisons autonomes. Et du coup j'ai regardé un gars, il arrêtait pas de dire clairement. Et clairement, clairement c'est clairement quoi. C'est clairement chiant. Et du coup j'ai gardé ça. J'ai gardé le tic, tu sais. Ok. Mais du coup, donc avec l'espadon, tu peux pas tirer au, tu peux peut-être pas tirer à l'arc. Waouh. Alors je sais pas, on n'en est pas beaucoup finalement. Tu fais moins de dégâts que. On t'a vu le capitaine abandonné. Oui, oui, capitaine abandonné. Allez, on va lui mettre ça. Mais on est à 300 KO, c'est pas l'Amérique finalement. On pourra en... Ok, ça tu peux le faire, mais pas tout le temps. Du coup, c'est quand même assez pratique. Mais j'avoue, hop, allez, on va faire dégager un petit peu tout ça là. Ils sont tous regroupés comme ça là, c'est un peu dommage. Voilà pour vous. Je trouve ça assez sympa. Ouais. Allez, on va essayer de peut-être passer de l'autre côté, ouais, pour rentrer sur le champ de bataille en fait, parce qu'ils sont tous coincés là, mais. Il nous reste plus beaucoup de temps pour en avoir, et ouais, pour en avoir le nombre souhaité. Mais on va aller là, peut-être ce sera mieux. Voilà les gars. Tu vas voir qu'on va l'échouer la truc là. Ouais, parce qu'il nous en manque vraiment beaucoup. Ouais, on n'y arrivera pas. Je pense pas. Ouais, il va nous en manquer quelques-uns effectivement. Ouais. Bon, c'est pas grave, ils étaient pas suffisamment regroupés à mon goût, mais. Voilà. D'accord, mais on peut les enchaîner plusieurs fois en fait. Il nous manque. Hop. Dépêche. Oui. On les a eu sur le fil, les gars. Sur le fil. Waouh. Mais sérieux, on les a eu, mais vraiment sur le fil. Qu'est-ce que. Il faut se farcir d'Arouk, c'est ça? D'accord. Éliminer d'Arouk. Et bah écoute, si tu veux. Hein. Voilà. Hop, loupé mon Darouk, c'est pas grave, tu en passeras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, c'est mieux ma pauvre Lucette. Ah ouais, non, c'était pas ce que je voulais faire en fait. Parce que je voulais l'arc, tout simplement. Hop, allez, fais voir. On va faire comme ça. Ouais, j'avoue que. Ouais, je voulais l'arc en fait. C'était tout. Oula. Mon petit Darouk, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, ce sera mieux pour vous et pour moi en tout cas. Ok, c'est bon. C'est passé. Mais on a pris de la volaille, génial! On en avait besoin. Ouh, pardon. C'était peut-être un peu fort, mais on en avait besoin. Entraînement de Lika, l'espadon. Écoute, l'espadon royal, j'aime beaucoup en tout cas. Vraiment. Vraiment bon espadon, on a pris un niveau supérieur, en plus c'est plutôt sympa. Oh, on a pris des marteaux, super, marteau en fer. Encore une tablette pour Mistinguette. Et par contre, tu vois, on a pris de la viande, on en avait besoin. Donc je suis très content de cet entraînement. C'est de toute bonne augure et de toute beauté. Non, j'aime beaucoup, vraiment. Vraiment, c'est très bien, il est très très complet. Arthur, il va se régaler avec ce jeu, mon Lio. Il va y passer des centaines d'heures dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression. Et si tu veux le poncer, à mon avis, tu vas en avoir jusqu'à Noël. Prochain, bien sûr, Noël prochain. Ok, on a une bataille ici, c'est quoi? C'est entraînement à l'épée pour Link. Fil du rasoir basique.
Pas d'apparition d'objets de régénération. Défaite au premier coup subi. Wow. Niveau 15 conseiller. D'accord. Ça doit être quelque chose, ça. Mais oui, oui. Clairement, il y a beaucoup de... Clairement, tu vois. Le mec, il m'a pollué. Il y a beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. On a une bataille d'Urbosa, là, ici. J'aime beaucoup. Alors, fais voir. Voilà, c'était ici. C'était ici. Un bon plat comme seul remède. La marchande frissonne et son nez coule sans arrêt, comme si elle avait attrapé le Covid. Puisqu'elle refuse d'aller se reposer, elle partira en réanimation. Préparez-lui un plat chaud pour l'aider à se réchauffer un peu, parce que les réanimations sont pleines. Ok, allez, c'est bon. On a ça. On a ça, on a ça. C'était impressionnant. Ah, des brochettes de viande pic-pic, sympa. Ok, vous avez improvisé une nouvelle recette et réalisé un plat qui réchauffe le corps et l'âme. La marchande s'en est délectée et s'est remise au travail en reniflant un peu moins du reste. Ok pour toi. Alors, attends, on fait un... Ouais, il veut encore qu'on fasse des choses, mais regarde, est-ce qu'on a... Oui, on peut. Allez, on a une noix de coco, on va faire ça pour Mipha aussi. Et Mipha, c'est un de mes mains préférés en tout cas. Vraiment. Enfin, ça fait un petit moment qu'on l'a pas joué là, on l'a pas mal joué hier, mais la dernière fois qu'on a joué, pardon. Allez, on a pris un cœur en plus. Est-ce qu'on a autre chose? Là, au niveau de Mipha, je pense que c'est bien. Ici, je vais voir. On va venir là. Rien à craindre. On dit que les habitants du village en proie à de nombreux orages mangent un certain plat qui les protège de la foudre. Ah, ça, il faut apprendre à le faire. Si c'est possible, oui, normalement. Alors, on vous a servi une brochette de champignons grillés. La recette est simple, mais elle permet de se protéger le corps de la foudre. Donc ça, c'est parfait. Là, on est très, très, très content. Vraiment, vraiment, il est complet, complet, complet. Escouade de défense des limites. Les jeunes du village des limites ont formé une escouade de défense pour être prêts au fléau. Pour les aider, apportez-leur de bons petits plats. Eh ben écoute, on va leur donner ça. Ça va nous donner un tout petit peu de vie en plus, j'espère. Exactement. Link a pris une petite... Ah non, une attaque supplémentaire, d'accord. Une attaque forte supplémentaire. Ouais, ça fait pas mal de choses. Hein. Link sérieux, ça a linké. Mais ça pète de partout en fait, ça pop de partout, tu sais plus où donner de la tête tellement il y a de choses. Ça c'est pour Link aussi je pense. Ouais, alors ça on peut pas le faire pour l'instant. Alors voulez-vous vous entraîner? C'est vrai qu'on peut mettre nos persos à niveau, mais on n'a pas beaucoup de sous. Qui est-ce qu'on mettrait à niveau là? Pour l'instant, personne. En tout cas, je trouve qu'on est bien. On verra peut-être un tout petit peu plus tard, mais là, c'est pas non plus l'Amérique. Ici, on a forgé des trucs. Je pense que oui. On va regarder quand même au niveau d'Urbosa. Alors, au niveau de Link, on a eu des marteaux. Donc ça, on peut fusionner des marteaux, je pense. Marteau de fer. Regarde, on peut faire ça. Non, pardon. Ici. Voilà, niveau 3. Bim, on fusionne. Bim, comme ça. Si jamais on a un entraînement marteau, on peut le faire. Et donc là, on va le fusionner avec le dernier marteau. Ici, bim. Voilà pour toi. Bon, ça nous fait un tout petit peu de place. Là, on va descendre. On va faire comme ceci. Allô ? Oui. Allô ? Y a personne à vous dire ? Faut réfléchir, Maxime. Faut réfléchir. Comment on fait pour mettre un niveau ? Je vais te montrer. Il suffit de payer, en fait. Regarde. On va y retourner. Je vais te montrer ça, mon Melio. Donc, du coup, tu reviens en arrière. Tu reviens. Tu vas ici. Alors, je sais pas, par contre, si tu l'as, la case... Mais en fait je vois pas l'intérêt de faire ça. Mais tu vas sur ton perso que tu veux augmenter. Par exemple, je sais pas moi, Mipha, parce que j'aime bien Mipha. Tu augmentes ses levels. Et en augmentant ses levels, en fait, ça te donne un coup d'argent. Donc si tu veux la bloquer au personnage le plus haut que tu as, bah, tu peux le faire. J'ai pas encore compris la pertinence de ça.
On verra avec un peu plus d'habitude sur le jeu, mais j'ai pas encore chopé la pertinence. Mais vu la durée du jeu, de vie du jeu, je pense que t'as moyen de, ça dépend, t'as moyen de les farm les personnages et de revenir en arrière, par exemple, je vais te dire une bêtise, mais si tu veux faire augmenter le level de n'importe qui, tu viens ici, tu vas dans équipe, tu restes appuyé sur Link et là tu peux changer le perso, et en changeant le perso forcément après tu l'upgrades. Donc je suis pas certain de la bien fondée du truc, si ce n'est de pas farm chaque personnage individuellement. Ça je trouve ça plutôt pas mal, ça te permettra de gagner quand même un peu de temps, j'avoue. Mais il va falloir quand même, c'est un jeu où je pense qu'il va falloir traîner dans les bas-fonds des trucs comme ça et se faire un petit peu tout ce qu'on a apporté, quoi. Alors Urbosa on peut pas en posséder une, d'accord, du coup on peut pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même la prendre avec nous, Urbosa, et on va aller lui faire sa bataille qui est ici. On va lui donner un petit coup de pouce. Fais voir. Effet de plat, dégâts causés par la foudre, moins 50. Je pense qu'on va prendre ça. On va essayer de faire ça, je sais pas, c'est vraiment... Oh pardon. Alors par contre, tu vois, on sait ce qu'on gagne. Il y a une arme qui est généralement remasseau, qui est généralement en point d'interrogation parce que tu sais pas trop. Mais après, pour le reste, je trouve que le jeu est assez complet et c'est assez plaisant, quoi. Ce qu'il y a, le problème, c'est d'arriver à maîtriser tout le monde. Ils ont des aptitudes qui sont différentes selon les persos. Je pense que selon les persos, tu dois avoir des persos qui vont mieux pour certains. Je l'ai déjà remarqué. J'ai déjà remarqué que Zelda, par exemple, il y a des monstres qu'elle affronte où elle est déjà plus habile que ceux qu'on a regardé tout à l'heure. Et tu vois, dans le sable, et c'était un peu bof, j'ai l'impression. Mais il faut voir. Je pense que chaque perso que tu vas arriver à débloquer va avoir sa spécificité, tu vas pouvoir les jouer et je pense que ça va amener du gameplay différent déjà, mais ça va aussi te faciliter la vie selon quel personnage tu prends, à mon avis. Nouvel objectif. Alors du coup, elle, il faut faire comme ça. Donc là, il nous en faut 100. Donc ça devrait le faire, je pense, les gars. C'est un tout petit entraînement. Voilà pour vous. Alors, elle, merci. Jean-Josette. Oh là, oh là, je t'avais pas vu, Jean-Josette. C'était pas là que je voulais la mettre, mais c'est pas grave. Allez, tant pis. Ce qui me plairait, c'est... la capitaine, on l'a déjà dégondée? Non. On en est où? On en est à... Je vois pas combien on en est, mais on en est... Alors, éliminer la capitaine Gerudo. Ok, allez, tu es où? Elle est là-bas. Chenette à la crème. Non? Oula, punaise qu'elle nous a mis. C'est censé me faire mal. Allez hop, va pour toi. Voilà. Ah bah quand même, mademoiselle. Allez, on recule, hop, on va lui envoyer ça. Allez, c'est reparti, les amis.
Ok, allez, on a gagné un petit peu d'argent, on a gagné de nouvelles armes qu'on va pouvoir fusionner, ce sera pas mal le cimetière. Alors, dégâts infligés, plus 2, 6 cœurs tous remplis, ok. Et de l'autre côté, on a gain d'expérience en combat, plus 3. Bon, parfait, c'est pas mal. Ah, nouvel arc. Gain d'expérience après fusion, 150%. On aime bien. Et on a repris un petit peu de melon, c'est parfait. Urbosa, son gameplay, t'adore, et c'est pas mal, mais j'arrive pas à le maîtriser complètement encore pour l'instant. Je le trouve un peu... et je le trouve bien, mais j'ai un tout petit peu de mal à savoir quand est-ce qu'on va débloquer un petit peu tout ça. Et tu vois, l'électricité, on a réussi à faire des choses, mais plus sympa que ça. Tout à l'heure, et du coup, j'arrive pas à le refaire exactement comme... D'accord. Ok, oui, pour fusionner, c'est vachement bien. Alors, fais voir. Travaux de réfection à l'auberge. Une propriétaire a utilisé du métal pour construire son auberge dans une zone sujette aux orages. Je n'ai pas de quoi la construire, mais aimerais la protéger avec des matériaux isolants. Donc nous, on a ce qu'il faut. On va voir ça et on va voir ce que ça va nous rapporter. J'aimerais bien que ça nous rapporte. Nouveau combo pour Urbosa, parfait ça. Ok, alors, du coup, attaque standard, Y, 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 et à chaque fois tu peux faire l'embranchement pour une attaque forte. Remplis la jauge de foudre, après cette attaque forte, plusieurs fois pour vider ta jauge de foudre en une décharge. Ok, j'avoue qu'elle est bien, il va falloir qu'on se la... Qu'est-ce qu'isolant ? Il va falloir qu'on arrive à la faire s'upgrader un tout petit peu plus. Du coup, ici c'est avec qui qu'on peut. Oh, c'est tellement français, ça, c'est avec qui qu'on peut, les gars. Ok, réserve aux personnes motivées. Vous êtes allé au centre d'entraînement à la lance pour vous améliorer. Mais vous devez d'abord tuer des monstres manieurs de lance pour avoir le droit de vous entraîner. D'accord, ok. Donc ça, c'est par là-bas. C'est où ? Entraînement link de lance. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Entraînement link épée. Tiens, on pourrait faire ça. On va se faire un entraînement, puis après, on essayera de se faire autre chose avec Kelleri. On se fera la prochaine fois. Alors du coup, là, on vient ici, on lève l'espadon, on se met à l'épée. L'épée de niveau 11 et puissance 33. Est-ce qu'on peut encore... Ouais, bon, celle-là, elle est un peu plus petite, mais c'est pas... On va prendre celle-ci, on est habitué avec celle-là, en vrai. Ok pour toi. Et on va revenir en arrière. Et on est parti. On prend pas de cuisine. Je pense pas que ce soit la peine. Si tu sais déchaîner le pouvoir de la foudre, elle est terrible. Mais écoute, on verra ça. On a déchaîné un petit peu, mais je suis pas certain que ce soit tout le pouvoir de la foudre, en fait. Je pense qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir débloquer pas mal de choses. Mais du coup, mon Melio, quand tu joues Link plutôt épée ou plutôt espadon ? Ou autre, hein ? Alors moi, dans l'original, je préfère les épées parce que Link est beaucoup plus véloce, en fait. Par contre, là, j'ai l'impression que l'espadon fait... Que Link est tout aussi véloce, mais que l'espadon fait beaucoup plus de dégâts. Donc, à voir un petit peu comment ça évolue dans le temps et si je me trompe, mais ouais. Ok, salut les gars. Alors, bim, on va faire comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Allez, on va essayer de... Allez, Capitaine Dirul apparaît. Alors, j'ai pas vu, mais il doit être derrière nous, certainement. Hein. Non, je ne sais pas. Je sais pas où il est, tiens. C'est rigolo. Ah, il est là. Ok, hop. Allez, viens pour toi. Hop.
Hop. Alors. Comme ça. Ici, ici. Allez, on va essayer de remettre un petit coup derrière les fagots. Wow. Hop. Allez, il faut s'en débarrasser assez rapidement parce que après ça nous empêche de mettre, parce qu'on en a quand même 500 de bonhommes à avoir et je suis pas sûr qu'on y arrive du coup. Voilà, 100 de KO déjà. Hop. Voilà pour vous les gars. Ici. Allez. Allez, venez là. Hop. Allez, on fait une belle attaque là. Voilà, le capitaine est là. On va y arriver. Ok les gars. Hop. Ah, petit coup fatal ici. Ouais, il faut que ça apparaisse parce que si ça apparaît pas, on va avoir vraiment du problème, les gars. Hop, allez, par là. Allez, hop. Allez, on va essayer. 300, combien on a? Il nous reste encore qu'une minute là. Il faut attendre qu'ils se regroupent. Venez là les gars. Allez hop. Voilà, je pense que la technique est bonne là. On essaie de s'en faire le maximum. Faut essayer de liquider vite fait en fait les capitaines parce qu'ils te font perdre du temps et après t'as un problème. Voilà pour là. Alors, punaise, par contre tu vois ça va être limite, la dernière fois c'était pareil, c'était limite. Mais bon, on va... Maintenant ils sont épars, tu vois, c'est compliqué quand ils sont épars comme ça. 35 secondes. Allez les gars, c'est pas grave, écoute, on va déclencher ça même s'ils sont pas tout à fait autour de nous tous. Et du coup. Oh là là, plus qu'un. Allez, c'est bon les gars. C'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. Ouh. Parfait. Parfait, parfait. Ok, comme 3 minutes 40. Bon, écoute, on était vraiment... Les temps, je trouve que ça descend. Ça descend vraiment beaucoup. Ok, on a repris un petit peu des armes. On a du poulet. À la fin, tu vas pouvoir faire des plats, mais incroyables. Ok pour là. Du coup. Donc ça, c'est entraînement pour Link. Fil du rasoir basique. Niveau 15 conseillers. Écoute, on se le tente ou quoi? Sérieux les gars, est-ce qu'on se le tente? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on fasse de la montée en level, lui, champ de manœuvre. Mais pas encore, moi, ça, pas pour l'instant en tout cas. Allez, fais voir. On va valider ça. Ok, combo pour la lance, ça c'est fait. Waouh, mais c'est terrible. C'est terrible, il y en a de partout en fait. Qu'est-ce que c'est? Fil du rasoir, basique, adaptation. Écoute, on va essayer de se faire ça. On va prendre un effet de vitesse par contre, si c'était possible. Non. Déplacement plus 10, déplacement plus 15. Tiens, on va faire ça.
Déplacement plus 15 et puis après on s'arrêtera là. Et on va partir au combat. Donc il faut pas se faire toucher si j'ai bien pigé. Merci Massoso. Merci à toi. Alors j'ai rajouté un petit peu de temps pour le défi des galériens. Je peux pas baisser malheureusement la somme de départ. Mais c'est pas très très grave à la limite. Vous savez ce qu'on pourra faire, c'est que de toute façon, et c'est ce que j'avais escompté, on fera quand même le jeu, c'est normal, hein, vous en faites pas. C'était juste pour vous faire participer, puis ça vous fait des points de chaîne à dépenser, tout simplement. Et puis, on se fera ça gentiment et vous aurez demain un beau cadeau de Noël, les amis, en tout cas. Je l'espère, une fois qu'on aura fait le jeu, tout simplement. Allez, on se fait la dernière bataille, après on s'arrêtera là, parce qu'il est 19h15, et puis c'est bien. C'est bien, ça fera près de 2 heures de live. Ok, sur le fil du rasoir, éliminer les blocobines. Allez, on va essayer de faire ça. Zut. Zut, attends, on recommence, bien sûr qu'on recommence. Allez, fais voir. Ok pour toi. Donc là. Oh, c'est leur masse. J'avais pas vu. C'était leur masse. Allez, fais voir. On va y aller. Allez, faut faire attention. Parce que du coup, on n'a pas besoin de... Ouais, c'est juste... Wow. Alors du coup, il aurait bien, peut-être bien valu que je fasse un truc comme ça. Voilà, c'est bon. Ok. Non. C'était pas très difficile. C'est juste que... pour l'instant, en tout cas, hein, mais... Oh. Alors, fais voir. Hop. Ok pour toi. Wow. Ok, ça dégage. Moi aussi, ça dégage. Alors on est un peu bloqué là, j'avoue. Wow, je t'avais pas vu toi. Alors il faut qu'on se recule parce que du coup... Voilà, normalement ça devrait le faire. Ok pour toi. C'est bon! Désolé, j'ai pas pu répondre, j'étais au fond du... C'est pas un problème. Je comprends bien qu'on joue à la même chose. Ok, allez, on a fait un petit peu de... C'est bien, on fait un petit peu de sous. Ce sera vraiment pas mal, on a regagné un petit peu de poulet et des choses comme ça, donc c'est parfait. Ça nous va très très bien tout ça. Quelle heure il est ? On va s'arrêter là, mes amis, pour ce soir. Et je serais bien encore resté avec vous. S'il y a des petits nouveaux, n'hésitez pas à follow la chaîne si le cœur vous en dit pour pouvoir profiter de la suite de l'aventure. Vous avez dans la je vais vous mettre le programme, le planning pour la semaine. On va regarder 2-3 trucs, mais je vais vous mettre le planning qui va passer sur le live. Enfin, normalement, s'il veut, voilà pour le restant de la semaine. Demain, donc c'est mercredi, pas de live. On se retrouvera jeudi à partir de 20h, par contre. Jeudi, attention, à partir de 20h, 20h30 pour du Xenoblade Chronicle 2. Et puis, tout le reste déroulera le restant de la semaine, en tout cas. Merci pour le Discord,
Massoso. Et puis on va regarder quand même 2-3 petits trucs juste avant de partir. Je vois qu'il y a des choses qui... Alors, exercice de pêche au poisson, matériaux nécessaires, tu vois, ça on peut valider déjà, c'est parfait. Ça va nous permettre... Alors, vous avez apporté les poissons à l'instructeur et cet exercice a amélioré votre technique, votre pêche a servi de repas. Ok, eh bien écoute, combo de lance aussi, c'est pareil, c'est pour la lance. On n'a pas utilisé trop la lance, il faudra qu'on s'y essaye et qu'on fasse un peu quelque chose, mais là-dessus... Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a là? C'est un exercice quoi. Ah voilà, c'est l'exercice de lance là. Et la fleur, on l'a pas. Donc ça, à mon avis, ce sera un tout petit peu plus loin peut-être là. Qu'est-ce qu'on a? On va regarder un peu. Mer de l'Anel. Épreuve basique de foudre. Ok. Règle particulière, temps limité. Donc il faut manger quelque chose qui nous protège, faudra manger quelque chose qui nous protège pour la foudre. Est-ce que vous voulez qu'on se le tente avant de partir ou non? On va s'arrêter là les amis, il est un peu tard, on va s'arrêter là, j'ai de la cuisine à faire. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment ma compagnie, je vous remercie d'avoir été présent sur le live. Ça commence à ressembler à une belle carte finalement et à se remplir petit à petit. Je pense qu'il va y avoir énormément de choses à faire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore de passer une bonne soirée. Ne quittez pas, on va se laisser, mais on va partir chez un copain, on va faire un raid et on va leur montrer que on est petit mais on est fort, et quand on descend en force. Donc restez les 8, on va partir ensemble. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, à très très vite, dès après demain, des bisous, ciao ciao, bye bye, merci. Ok. Allez, qui est-ce qu'il y a en live les loulous pour raid? On a John Knight Rider, on a du Use Your Words. Mais oui, ils sont tous sur du Use Your Words. Mais écoute, on va chez Kofi et on va sur du Use Your Words. On adore ça. On s'était bien régalé à faire ça la semaine dernière. Et je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et à très très vite pour de nouvelles aventures. Merci les gars, bye bye.